« Bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Le saviez-vous si vous empilez... Non, si vous pliez <laughs> du papier <laughs> 44 fois d'affilée, l'épaisseur atteint la lune ?»« Waouh !»« Nous enregistrons le 8 mars. Le 8 mars, nous souhaitons une bonne fête à tous les gens de Dieu. Ah, »« Je vais dire, à tous les confinés. <laughs> » Le week-end est passé, il n'y a plus personne de confiné, nous sommes juste en, en couvre-feu. Ah. Voilà. Autour de la table virtuelle avec moi ce soir, nous avons Sous X. Bonsoir Sous X. Oui, bonsoir. Salut à toutes et à tous. Nous avons Kepra. Bonsoir Kepra. Bonjour, bonsoir. Vive le printemps. À la gauche de Kepra, il y a Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. <laughs> Nous avons aussi Karen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et enfin, nous avons Julien. Salut bonsoir, Julien. tout le monde. Et Audrey euh, n'est pas là avec nous ce soir. Elle a un, Elle un mot. Elle préfère être avec ses vrais amis. <laughs> Elle est excusée. Elle sèche. Elle sèche l'école. Elle a un mot de ses parents. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous sommes deux à chroniquer, Karen et moi. Qui veut commencer oh ben Est-ce que vous voulez que tu commences Le suspense est total. Moi, je voudrais le, su le sujet sérieux d'abord. Sujet sérieux d'abord mmh. Donc, donc je vais commencer. C'est un vrai enjeu de société. Si ça te dérange pas, Karen, c'est toi donc qui va commencer. Ok, j'y goûte. Les amis. L'heure est grave. Je vous l'annonce officiellement, on peut plus rien dire. Ah, on peut plus faire des blagues racistes. Ça y est, étais sûr. Bah, malheureusement, si. Ah, alors on peut plus se moquer des féministes, des cuirs, euh, des grosses, des handicapés. Si seulement. Ah, je sais pas. Hein. On peut plus expliquer pourquoi on a commis un crime et se déculpabiliser en une d'un quotidien national. Ah, mais là, tu te fous de moi. Non, mais sérieux, je vois pas ce que tu veux dire, quoi. La liberté d'expression est protégée, tout va bien en fait. Bah non, ça va pas. Non seulement les harceleurs, sexistes, LGBT-phobes, validistes et autres ordures sont peu, très peu, voire carrément pas punis, mais en plus, la parole qui est réellement censurée, celles et ceux qui ne peuvent réellement pas dire grand chose, en particulier sur les réseaux sociaux, ce sont en réalité les militantes et militants féministes et LGBT. Petit rappel des faits. Alors, ça commence le 23 décembre 2020. Tweet de Pasta Daron, un conte lesbien. Elle et Gwyn, vous l'avez rencontré comment, votre amoureuse Deux jours plus tard, message d'erreur, votre tweet a été masqué en France en raison de lois locales. Le 28 décembre, son compte était verrouillé en raison d'une infraction aux règles de Twitter. Sans plus d'explications. 22 janvier 2021, un tweet du compte Mélusine. Il y a savoir et il y a entendre, lire et compter. Violence sexuelle massive contre les femmes, les enfants, les hommes gays. Et une question de civilisation Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Elle a été contrainte de supprimer son tweet pour retrouver, retrouver l'accès à son compte après 12 heures obligatoires de suspension. 25 janvier, idem sur Instagram, le poste de Pauline Armange, que vous connaissez peut-être pour son livre Moi les hommes, je les déteste, son poste avec le hashtag Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer est aussi supprimé, sous prétexte de discours haineux. Le 1er février, Instagram censure, ensuite par erreur, le hashtag Lesbians. Normalement, en cliquant sur un hashtag en story, on peut accéder aux publications qui l'utilisent, mais là, un message d'erreur indiquait les publications ont été limitées car la communauté Instagram a signalé du contenu susceptible de ne pas respecter ses règles. Et euh, sur Facebook, d'ailleurs, le terme lesbienne est toujours interdit par défaut et il est autorisé que au cas par cas. Il y a aussi eu euh, d'autres cas de censure un peu aléatoire, un peu euh, incompréhensible. Euh, des comptes comme euh, Olimpres vous préparez-vous pour, pour la bagarre sur Instagram ont vu certaines de leurs stories sauter quand elles parlaient des hommes en général. Je m'arrête là sur les exemples, mais vous l'avez compris, ces dernières semaines, Facebook, Twitter, Instagram ont commis pas mal d'erreurs. On suppose très fort que ce qui a déclenché chacune de ces suppressions, c'est des signalements en masse, de gens à qui ce genre de message ne plaît pas trop. Mais il y a quand même aussi un problème de modération. Les trois réseaux ont déclaré avoir intégré de plus en plus de machine learning dans leurs algorithmes de modération. Donc euh, voilà quoi, c'est la machine qui s'est trompée, c'est la faute à l'informatique, les robots, c'est pas très malin, blablabla. Je vais pas vous expliquer pourquoi c'est du bullshit, vous savez bien que si un algorithme a des biais, c'est tout simplement parce que les humains qui le nourrissent en ont aussi. Après, on peut comprendre, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais bon, une erreur qui se répète constamment, c'est plus une erreur, c'est un choix. Et il y a deux choses qui prouvent que Facebook et Instagram, qui font partie du même groupe, je le rappelle, et Twitter font le choix de ne rien changer. La première, c'est que ces censures arbitraires elles frappent les comptes et termes féministes et LGBT+, mais bizarrement, pas les masculinistes, les racistes ou autres droits d'art. Il y a un véritable double standard, Donc, euh, dans la, comme dans la phrase euh, « euh, Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer ?»« Viol plus homme, c'est censuré à vue », mais les hashtags euh, « Feminazi »,« Fuck Feminism »,« Feminism is cancer », ça passe tranquille. Il y a encore des milliers de, de publications qui sont liées à ces hashtags sur euh, Instagram et... Euh, il n'y a rien qui est fait contre ça malgré les signalements. Ajoutez à ça que des centaines de militantes et militants qui se font harceler signalent des messages et des postes qui ne sont que très rarement jugés à l'encontre des standards des réseaux. La deuxième chose, c'est qu'il y a des solutions pour une meilleure modération. Ça pourrait être engager plus de personnes pour modérer au cas par cas. Est-ce que c'est faisable A priori oui. Ça coûterait de l'argent, mais financièrement, on peut dire que c'est des boîtes qui en ont les moyens. Il pourrait aussi engager plus de personnes au profil varié pour éviter les biais sexistes, racistes, validistes. Est-ce que c'est faisable Bah oui, là pour le coup il n'y a aucun frein à ça. On parle aussi de la modération par friction. En gros mettre en place des mécanismes qui rendent plus difficiles certaines actions, comme le retweet, ça a d'ailleurs été fait par Twitter. Maintenant si vous voulez retweeter quelque chose au lieu de simplement cliquer sur la petite icône, vous avez ensuite deux options, citer le tweet ou retweeter simplement. Ça c'est pour éviter un peu la pour ralentir un tout petit peu la colportation de, de fausses informations. Ça peut aussi être fait en freinant la création de multi-comptes. Donc voilà, tout ça c'est faisable. Ces solutions, elles ont un coût évidemment. Après, on peut se dire que c'est un coût que Twitter est prêt à, à débourser vu que dans, ce, dans sa charte, on peut lire que Twitter s'engage à lutter contre les comportements inappropriés motivés par la haine, les préjugés ou l'intolérance en particulier ceux dont le but est de faire taire la voix des personnes traditionnellement marginalisées. Les femmes, personnes de couleur, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexués, asexués, communautés marginalisées et historiquement sous-représentées. En gros, Twitter dit clairement qu'ils veulent tout faire pour protéger la voix de ces personnes qui sont souvent la cible de harcèlement ou d'insultes. Donc euh, quand on affirme ça, il bah, faut s'engager pour de vrai plutôt que faire l'inverse. Parce que du coup, il est là le vrai problème de liberté d'expression. Le vrai, on peut plus rien dire. Il faut savoir que face à ce risque de censure couplé au risque de harcèlement, les femmes, personnes de couleur et autres groupes minorisés, bah, ils se ils se retiennent de dire certaines choses, de poster certaines choses et, euh, et de s'exprimer globalement. C'est très bien expliqué sur le site d'Amnesty International. On vous partagera le lien. Du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi Twitter et Facebook ne font rien. J'ai un peu ma réponse, parce que ça a un coût. Mais vu que je suis assez vénère aujourd'hui, parce que je vous le rappelle, on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et eh bien je me dis que c'est aussi parce qu'ils s'en foutent, tout simplement. Ça paraît peut-être naïf de le dire, mais je pense tout simplement que ces services aux millions d'utilisateurs et d'utilisatrices, dans le fond, ils s'en tapent de protéger ces personnes traditionnellement marginalisées. Alors nous, on veut bien se battre et signaler des comptes en masse comme le font les mascus, mais comme le disait Tito Lecoq, le temps qu'on prend pour parler féminisme sur Internet, on préfère l'utiliser à bah, parler féminisme sur Internet, plutôt qu'à se créer des comptes multiples pour mener des opérations de riposte. Donc, please, Facebook, Twitter, aidez-nous et faites un peu votre taf. Merci. Ouais Merci. Moi, j'ai pas compris. On pas rajouter. trop Je suis le débat. tout d'accord avec ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter, à réagir Sous X Oui Alors. J'aimerais euh, commencer par évoquer effectivement le, le, la situation compliquée de l'utilisation de certains mots sur les réseaux. Euh, je pense notamment aux au mots en haine, qu'on ne dit plus, mais que euh, la communauté euh, noire peut utiliser. Euh, et, utilise, et au final, si tu veux, vu que c'est un mot qui est, bah, qui est censuré sur les, sur les réseaux, au final, bah, ces gens-là aussi qui pourraient se permettre de l'utiliser ne peuvent plus l'utiliser. Donc, on rentre dans, dans quelque chose qui est, euh, qui est insoluble, euh, quelque part, dirais-je. Ou alors, il faudrait ne pas censurer et que les gens qui n'ont pas le droit d'utiliser ce mot, enfin, qui, qui ne sont pas concernés par, euh, par ça, ne l'utilisent pas. Mais le problème, c'est que la liberté d'expression, c'est un droit euh, <coughs> qu'on qu a donné et. Euh, Malheureusement, on peut pas aller contre. Euh, donc, la solution, ce serait d'engager plus de personnes pour modérer. Je suis pas du tout d'accord avec ce point. Et je vais développer pourquoi. Parce que les pauvres gens qui modèrent se retrouvent, euh, se retrouvent souvent confrontés à, à beaucoup euh, d'horreurs. Et ces gens-là sont traumatisés aussi. Donc, mettre des moyens humains derrière la modération, je suis pas pour. Il y a, y a un super reportage là-dessus. Euh, sur YouTube, des, des gens qui modèrent sur, sur Facebook et qui voient passer des horreurs et des horreurs tous les jours et qui, au final, ne, ne tiennent pas le coup, ce que je peux tout à fait concevoir. Et en dernier point, je dirais, bah, écoutez, euh, échanger sur WhatsApp, puisque WhatsApp ne peut pas lire vos <laughs> messages. Tu rigoles, mais c'est ce qui se passe vraiment en ce moment. Il y a des groupes d'alt-right qui. On... parce que Twitter a fait une... Une grande... un, grand... un grand nettoyage a fait un nettoyage de certaines ils séquences ils ont un peu passé le balai il a passé le balai voilà et du coup ces gens se, se relaient de... sur des web... groupes Whatsapp ou Telegram que entre eux quoi bon d'un côté ils restent qu'entre eux mais d'un autre côté c'est une sorte de petit terreau que tu euh... que tu laisses pourrir 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 et le terreau ça fait du gaz et au bout d'un moment ça explose et c'est quand même pas bon quoi Ouais, L'émulation est pire. Mais <coughs> du coup, le truc avec, euh, avec le, le N-word, c'est la même chose que, que j'évoquais au tout début avec, euh, avec le terme Gwyn et PD qui sont du coup euh, réappropriés, enfin que, que la communauté LGBT tente de se réapproprier malgré les connotations négatives que ça a eues. Mais forcément, que dans la bouche de quelqu'un d'autre, eh ben, ça passe pas pareil. Mais, euh... Et ça, oui, c'est le, le cas le plus compliqué à, à, gérer, ouais, à juger mais j'ai pas de solution miracle non plus malheureusement mais à part ouais, des ce qui me tuer, des le gens c'est le ouais. ouais ouais non mais en fait ce qu'il y a c'est ouais. aussi le, le double standard qu'il y a là dessus quoi c'est que ces, ces termes là sont très très facilement censurés par Twitter alors que, que des vraies insultes sur lesquelles il n'y a pas d'équivoque il va falloir beaucoup plus pour que ce soit pour que ce soit retiré ou enfin que, que Twitter ou, ou Instagram fassent fasse quelque chose quoi et est-ce que c'est dû à une, euh, un état d'esprit anglo-saxon Tu vois, tout comme euh, je pense à dans le même style à tout ce qui est lié à la nudité. Si je pense à Instagram, où en gros euh, si une femme est topless, c'est banni, et si un mec est topless, ça passe. Et... Euh, si ouais, il y, y a encore plus bizarre, c'est que t'as des tas de photos de topless, enfin pas topless. Où tu aperçois euh, les seins de la, la femme en photo, mais c'est sous un tissu qui est un peu, ah, un est un peu, peu transparent. transparent ouais. Et du coup, ça passe. Et, ok. Mais du coup, est-ce que c'est parce que ces boîtes sont américaines et ont une vision, on va dire, de Mettre ce qu'on peut dire ou pas dire Et du coup, tu l'appliques la, tu partout dans le monde, et forcément, bah, comme on a des cultures différentes, ça peut parfois être un, un espace de friction. Euh, donc euh, soit les insultes euh, euh, homophobes soit le, le, le n world soit euh, ouais enfin tout ce qui est topless enfin tout ce qui est nudité par exemple j'arrive pas à savoir si ça vient de là ou si c'est euh, comment dire ou si c'est autre chose bah, je pense qu'une grosse partie, c'est dans, dans ta conclusion sur le, le temps, euh, le temps alloué euh, à nuire euh, aux au camps. Euh, enfin, si on veut placer dans des camps, parce que là, on en est dans des guerres euh, de haut camps opposés. Donc, en effet, bah, quand tu as des, des gens qui ont juste envie de euh, signaler, 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 et que les systèmes en face euh, n'ont pas été entraînés pour euh, constater qu'un signalement est totalement euh, de... Ouais, abusif n'a pas de valeur. Euh, pas de valeur. Euh, bah en effet, tu te retrouves avec ceux qui prennent le temps de tout signaler, euh, qui réussissent à museler euh, museler les autres. Et euh, je voulais compléter sur le côté, euh, on peut plus rien dire par rapport à des mots clés, à des choses qui sont euh, supprimées. C'est le, on en a déjà parlé plus d'une fois de les de l'effet de bulle euh, qui peut y avoir sur Twitter, mais c'est vrai qu'on est quand même dans dans un environnement euh, qui, même lorsque les contenus ne sont pas euh, ne sont pas bannis, euh, reste très toxique euh, par euh, et, et toxique. Encore plus quand c'est vraiment les, les gens qui eux essayent de nuire à une liberté d'expression. Mais même de l'autre côté, il y a ce côté un petit peu entre soi euh, qui fait que euh, bah, on est très dans la confort le fait de conforter les, les, les opinions. Euh, et donc ceux qui se retrouvent en face vont généralement être des dans les extrêmes euh, absolus. Euh, donc c'est vrai que au-delà de on ne peut plus on ne peut plus rien dire. Euh, je je tendance à me dire que ça doit être très compliqué euh, lorsque tu réussis à garder ton message en ligne de faire face au flot de d'agressivité que tu peux récupérer en face euh, et en effet bah, c'est un vrai un vrai un vrai souci dans cette euh, dans cette opposition entre les, les points de vue et sur la, 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 la frontière de la liberté d'expression enfin euh, vous avez tous dû voir des, des, des flux où en effet il y a un point de vue qui est exprimé et les seules personnes euh, qui opposent euh, qui opposent un avis contraire c'est pas c'est pas dans un sens de débat quoi. on est on est tout de suite dans euh, dans des, des insultes ou en tout cas une montée du ton euh, donc ouais c'est compliqué Mais, alors moi il y avait un truc qui m'avait choqué et j'étais triste pour la personne c'est euh, j'essaie de retrouver parce que je sais plus si c'est toujours le cas ou pas il me semble que c'est euh, Jennifer Padjemi, donc qui est euh, une journaliste euh, qui participe notamment au Chip et qui se prenait Tellement d'attaques sur euh, toutes ces réflexions, toutes ces opinions sur euh, tout ce qui était lié à la diversité, qu a dû rendre privé son compte pour se protéger de ça et de qu'elle puisse un peu dire ce qu'elle voulait sans systématiquement se manger un, un wagon de haine, quoi. Et, ah bon, oui, et quand on arrive à, à ce, ce point-là, enfin, c'est quand même vache. Ton, ton monde, il est triste, quoi. Un autre monde, il est quand même oui. triste que. Les et Les personnes et... doivent mettre des murs pour pouvoir s'exprimer librement, sinon euh, ils, ah bah oui. ils se font incendier euh... 24-7, quoi. C'est ça l'auto-silenciation, en fait, t'es obligé de, de réduire ton audience ou, euh, ou de réduire ton discours pour, euh, pour limiter les, les réactions de, de haine que tu vas te prendre, enfin, on sait que tu vas te prendre des réactions de haine dans la gueule, quoi. Mmh. Et bah tu ouais, en arrives à, à ces bulles, elle est, elle, est toujours, euh, elle est toujours protégée. Son compte est toujours protégé. Et tu en arrives à ces bulles d'autant plus fortes qui font que ça ne s'exprime qu'entre personnes qui sont frustrées aussi de ne pas pouvoir s'exprimer euh, plus largement, des personnes qui pourraient être exposées à des messages de diversité qui ne le sont plus. Euh, donc, tu as un côté euh, entre soi qui se, qui se forme, une conviction euh, aussi. Euh, enfin, on le, voit de, on, le voit, on le voit pas mal euh, ces derniers temps avec des, des personnes qui défendent des causes, des féministes qui te disent bah, « moi je suis pas là pour éduquer un tel ou un tel les, les, les autres » et donc on se retrouve à parler entre, entre, entre personnes qui ont déjà le même, le même avis euh, et donc on n'expose plus euh, des gens qui eux pouvaient être neutres euh, mais qui, euh, qui sont pas euh, qui n'ont qui plus la capacité de voir ces messages-là vu qu'ils sont soit euh, censurés via les raids de, de de signalement de contenu, soit euh, effet conséquence de ça euh, par le fait que euh, bah, les personnes qui ont envie de parler de ces sujets-là n'ont pas envie de s'exposer à, euh, à, euh, à ces agressions euh, et donc en parlent entre elles ou entre eux. Mais contre les, contre les raids de, de signalement, je pense que informatiquement, enfin, d'un point de vue algo, on a aujourd'hui les, les capacités de, de faire quelque chose. À moins qu'il y ait. Euh des règles qui régissent que un signalement doit pouvoir être fait en trois clics et euh, deux coups de euh, clavier. Je pense qu'on est tout à fait capable aujourd'hui de développer, euh, de développer euh, une demande de signalement qui, euh, qui requiert euh, une explication de pourquoi c'est signalé et que euh, le... j'aime pas ce mot mais euh, que l'intelligence artificielle analyse le texte pour voir si le texte est quelque chose de cohérent, de construit et non pas juste une succession de, de touches sur le clavier, et qui pourrait jauger, jauger à partir de, de là si le signalement est valable ou pas. On pourrait imaginer une dissertation de 4 pages, euh, avec contrôle <laughs> de plagiat entre les dissertations, pour s'assurer que chaque signalement <laughs> est bien unique et motivé. Non mais ce mais euh, serait pas mal. C'est simple ouais. de créer des faux comptes Facebook ou Twitter pour euh, de, ajouter de la bah masse, oui. à ce genre d'action. De, 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 quoi. Ouais. Non mais ouais. ça, ça ok, mais euh, développer un, un texte qui soit différent à chaque fois en expliquant pourquoi tu signales le compte, si tu veux, il y a un moment si tu demandes un effort tel que ça devient plus intéressant au final. Oui mais euh, ils vont. Oui mais bah t'as l'exemple de, bah, eu... de Trump avec Twitter. Enfin tu vois Twitter savait que Trump était nocif pour sa plateforme d'un point de vue contenu, qu'il a attisait les haines etc. Sauf qu'ils ont mis Énormément de temps à le kicker parce que ça a amené des gens sur leur plateforme, tu vois. Et le problème, c'est que je, 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 je pense, en étant très cynique, que euh, les principaux réseaux sociaux n'ont pas envie de lutter complètement contre ça parce que ça reste des repères où des gens passent du temps et donc du coup peuvent placer de la pub et, et, et faire de l'argent avec, quoi. C'est -ce triste, qu mais je, prend je pense aussi, que c'est la vraie que... raison. Hein. C'est qu'il y a une question de, de manque de temps aussi. Enfin, quand t'es un groupe organisé qui a pour but d'être nuisible, peu importe que ça prenne un peu plus de temps de faire des signalements, ils vont, ils vont être nombreux et c'est a priori ça. Même si du coup, le, le mécanisme de modération de aussi bien d'Instagram, Facebook et Twitter que Twitter est, est assez flou, mais a priori la modération est déclenchée à partir d'un certain seuil de signalement. Et du coup, bah, quand t'es très nombreux et très nuisibles, tu vas réussir facilement à déclencher ce truc-là. Alors que quand t'es seul à recevoir euh, des dizaines ou centaines de messages d'insultes, eh ben, ça va être juste épuisant. Et en fait, c'est ça la, la solution. Ça va être de fermer ton compte, quitter, euh, ce tes qui était notif. enfin, juste, juste cacher tout ça, te préserver, quoi, plutôt que, que d'essayer de de les détruire à ton tour, quoi. C'est une espèce de guérilla que. Qui est presque impossible à gagner à moins de, de s'organiser, mais il y a un moment où ça devient ouais, mais... contre-productif. Es C'est là 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 leur, les... leur force. Oui, C'est leur force, justement. C'est que ce sont des personnes qui sont organisées, elles n'ont que ça dans leur vie. Et elles sont prêtes à passer du temps à ça parce qu'elles n'ont que ça dans leur vie pour euh, ressentir quelque chose et cette haine, elles ont besoin de l'évacuer. Ces personnes elles, elles passent énormément de temps à ça, elles seront prêtes à mettre beaucoup plus d'efforts que toi. Comme les personnes qui vont voter l'extrême droite sont des personnes qui sont beaucoup plus motivées à se lever le dimanche matin pour aller mettre un biais dans l'urne que les, que les autres, parce que ce sont des personnes qui s'engagent dans leurs idéologies, qui sont détestables, mais ce sont des personnes qui s'engagent dans leurs idéologies, qui sont prêtes à y mettre plus d'efforts que, que les autres. Donc c'est compliqué de, de lutter contre une masse aussi nombreuse et aussi déterminée, en fait. Et puis leur but, c'est aussi de silencier. Euh... Mmh. De silencier l'ennemi plutôt que, alors que, que du côté euh, lutte féministe, LGBT, tout ça, il y a tellement d'autres combats à mener que, que ouais. chercher à faire taire les autres, ça sert à rien, du coup il faut faire d'autres choses et... alors que, Ils n'ont pas d'arguments, donc ils veulent faire taire les ouais. arguments d'en oui, face. Alors que les féministes veulent s'exprimer, elles n'ont pas l'occasion de le faire parce que elles luttent contre cette silenciation, quoi. Et puis pour en revenir, à essaie de rendre le signalement plus compliqué. Ben ça va, OK, ça va empêcher peut-être euh, les, les signalements en masse euh, par les gens qui veulent euh, silencier les autres, mais ça va aussi euh, rendre plus pénible le signalement, euh, les signalements, on va dire, légitimes, et donc euh, faire, encore, faire perdre encore plus de temps à des gens qui n'ont pas forcément envie de perdre leur temps à signaler en masse. En plus mmh. de ça, euh, avec... L'idée était peut-être de faire écrire du texte pour que les gens justifient leur signalement, pour qu'ensuite on puisse vérifier que tous les signalements sont bien différents. Euh, Aujourd'hui, avec euh, des IA bien entraînés, on est capable de générer euh, des textes... Euh, Je ne sais pas à quel point ils peuvent être variés, mais j'ai peur que ce soit facilement automatisable. Que l'amélioration la, du système de signalement et du système de modération arrive trop tard parce que ils ont eu simplement bah on va dire la flemme ou, ou pas l'intérêt de le faire euh, et que ça arrive trop tard euh, qu'aujourd'hui les avancées technologiques pour automatiser tout ça euh, la création de compte c'est déjà c'est déjà ultra simple le signalement en masse c'est déjà ultra simple en quelques clics tu peux te faire semblant de signaler euh, des dizaines de fois donc euh, j'ai peur que toutes les solutions qui pourraient être trouvées soient obsolètes dès le moment où elles sont trouvées, puisqu'elles sont déjà obsolètes maintenant. Ok, alors, du coup, on a d'un côté, euh, on va les appeler les méchants. Je très défaitiste. Non, non, bah ouais, mais du coup, d'un côté, on a les méchants euh, qui veulent silencier, qui se donnent les moyens. Et de l'autre, on a les gens qui veulent éveiller, les gentils, qui, au final, ne se donneraient pas les moyens. C'est c'est ça un non. peu le résumé de. Non, c'est qu'ils ce n'ont pas, qu fait, pas que les, les moyens, qu'ils sont obligés <laughs> Attends, de consacrer je, leur énergie je, à juste ça quoi. plutôt qu'à éduquer. Bah, c'est bah, ça. Si tu peux plus perdre ton, bah, bah, ton temps pour éduquer, si tu passes ton temps à essayer de lutter contre la silenciation. Ouais, mais pourquoi, que, pourquoi, pourquoi, les pas les pas gentils, pourquoi les gentils, pourquoi les gentils n'utiliseraient pas les mêmes armes massives, si tu veux, pour éduquer Parce qu'il y a aussi une question d'état d'esprit, et de mentalité aussi. C'est pas, c'est pas une forme durable de lutte, quoi. C'est-à-dire que le, le système devrait être le régulateur et ça devrait pas être les deux camps qui se régulent eux-mêmes, quoi. C'est ça. Ça, ça ouais, donne le même délire le avec système... euh, les milices blanches et cas, les milices noires, vois. tu vois, aux États-Unis, qui, qui qui défilent avec des armes de guerre. Dans les deux camps, tu te dis que ça devrait être la police en fait qui devrait réguler ça et ni un camp ni l'autre. Et là, c'est pas. Enfin. Si, si tu commences à blanche quoi. À, ouais si, si tu commences à rentrer dans ce jeu de de faire la même chose ça, 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 ça ne peut provoquer qu'une escalade en fait mais ça peut pas tu peux pas sortir euh, d'une bonne manière du conflit et euh, parce que, de cette façon là et par définition, ah en fait, et par définition final... pardon par définition les gens des de prenant la diversité et les minorités sont Minoritaire, donc euh, dans, la, dans la guerre des tranchées euh, à ce niveau-là, ouais. ça complique un petit peu les, les choses en termes de volume. Et ouais, il faut euh, pas... après... Vas-y, carrément. Vas -y, vas -y. Ok. Euh, je... Ce que j'allais dire, il ne faut pas oublier aussi que ben, si jamais euh, les militants euh, pour l'égalité, pour le, le, le féminisme, les militants LGBT se mettent à utiliser les mêmes, euh, les mêmes méthodes que euh, ceux qui veulent les réduire au silence, pour, pour les en fait, pour les contrer, pour les combattre, Alors, ceux qui veulent les réduire au silence auront, auront gagné puisqu'au lieu de s'exprimer pour faire circuler leurs idées, pour éduquer les gens et faire avancer les choses, ils vont s euh, dépenser <coughs> une plus grande partie de leur temps euh, ben, non pas à s'exprimer, mais à essayer de lutter et de, se, et de réduire au silence des, des trolls ou des oh, ouais, ouais, mais je pensais etc. plus à la technique d'inondation si tu veux du message positif. mais c'est genre... là le problème c'est que t'as pas envie de noyer avec des tonnes de messages euh, tous un petit peu différentes t'as envie d'arriver avec un discours qui soit construit qui soit cohérent qui soit pertinent t'as pas envie de faire de la masse t'as envie de faire de la qualité quoi quand tu quand tu veux éduquer tu peux pas éduquer avec de la masse tu dois éduquer avec de la qualité et c'est là que tu ouais, peux pas te permettre de dépenser cette de 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 énergie de... ça prend beaucoup plus de temps ouais. de, de faire un bon discours que de raconter n'importe quoi mmh. oui clairement bon. et, et et le truc de... aussi de d'attendre de... enfin, <laughs> D'attendre de, de Twitter qui, qui régule lui-même son, son propre système, c'est aussi parce que justement, dans, dans sa politique, dans sa charte, eux-mêmes affirment s'engager en faveur des minorités. Et dans la réalité, euh, c'est que dalle, quoi. Du coup, c'est vraiment. Euh, c'est pété, quoi. C'est pété, effectivement. <laughs> Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment ça se passait en fait Alors, tout ce qui est les causes que tu as évoqué Karen, bah, clairement, c'était encore pire. Il euh, y avait très peu de Noirs dans les médias traditionnels, il y avait très peu de gens LGBT. Donc c'était, je pense, encore plus dur de s'exprimer. Et, et, et pourquoi il n'y avait pas autant de violence à l'époque C'est une grande question ouverte, hein, à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Il n'y avait peut-être pas... Enfin, y avait... Pas de violence sur les réseaux, il n'y avait peut-être pas de violence aussi médiatisée, mais je pense que la violence euh, envers, envers les minorités, elle a toujours été là. Elle euh, ouais, caché, était cachée. Elle était plus nourriture. ou moins cachée, parce que tu avais, des... Enfin, avais des... des gens qui euh, se regroupaient pour aller euh, euh, taper du PD euh, le, le vendredi soir ou le samedi soir. Euh, tu avais ce, ce genre d'action, et, je... et ça toujours existé il y a ça a pas la violence elle n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister je pense que les réseaux sociaux sont juste une chambre d'écho qui, mm. qui fait qu'on la, la voit plus quand on est dessus mais je pense que les personnes concernées elles ont elles ont elles peuvent témo, elles ont des témoignages de de, de violence qui datent d'avant euh, enfin, qui datent de toujours et avant, ils avaient là, besoin d'être en une... groupe pour sortir le vendredi soir. Maintenant, ils peuvent juste se mettre sur Facebook et lâcher un commentaire sur un sujet. C'est plus simple, ça demande pas d'organisation. Tu peux juste te lâcher, là, comme ça, en deux minutes. Oui, c'est ça. C'est la... y a de la violence verbale et psychologique qui est, qui est facilitée par le fait que... que tu peux être violent sans être euh, responsable. Enfin, tu te déresponsabilises plus vite, quoi. C'est mmh. ce qui ressort dans tous les cas de euh, revenge porn, harcèlement et mmh. tout ça. que que, euh, les pauvres mecs euh, se disent non, mais je me suis pas rendu compte de ce que je faisais, euh, en fait. okay. Donc, je suis vraiment désolé. Et que l'excuse c'est pas quoi. la vraie vie. Ouais, ah. voilà. Mmh, ouais. D'ailleurs, est-ce euh, que l'identité la... électronique unique, ça serait pas une solution à ça Pour casser cet anonymat quand euh, tu t'exprimes euh, sur euh, les réseaux Il y a toujours des failles, euh, je pense. Je vous parle de ça parce qu'il y a eu un référendum euh, ce week-end en Suisse là-dessus, qui a été rejeté pour le coup. À quel point ce sera protégé, par exemple, si tu viens t'afficher comme étant euh, LGBTQI, et qu'on parvient à craquer, choper ton adresse et ton identité, ouais. et qu'on vient t'attaquer chez toi ouais. C'est sûr. Oui, et puis ce serait aussi domm... enfin, ce serait dommage parce que ça porterait aussi atteinte à un des points fondamentaux de la création d'Internet et du Web. Mais en même temps, on peut plus pas non plus forcément garder les, les mêmes concepts et les fondamentaux qu'il y avait à la création de ces outils qui changé. ont quand même 40 ans. L'anonymat fait partie des, des fondamentaux de la création euh, du net La liberté. Alors la liberté euh, c'est une chose, l'anonymat <laughs> c'en est une autre. Liberté Après, ben, la... la, la... Et le, un, un numéro unique, c'est la porte ouverte au fichage. Et ça, il y, y en a qui sont pas prêts à le, à le laisser passer. N'oublions pas que c'est interdit de lister des personnes en fonction de certaines... Oui, bien des sûr. Orientations. Non, non, mais ta vraie vrai identité, elle est, euh, elle est enregistrée par, euh, par l'État. Donc si tu veux... Euh... Ça semblerait le, la suite logique que tu ne sois pas anonyme sur le net. Ça n'empêcherait pas la, la neutralité du net, ça n'empêcherait pas la libre expression. C'est juste que euh, ça n'empêcherait pas non plus la vie privée. C'est juste que tu ne serais pas anonyme sur internet. Au même titre que tu n'es pas anonyme sur l'autoroute et tu n'es pas, euh, pas pleinement anonyme quand tu, quand tu marches dans, dans la rue. On est capable de contrôler ton identité. Mmh. Tout dépend de qui Oui, c'est ça. J'étais en train d'y réfléchir en même temps. Enfin, quand t'es dans ta voiture ou dans la rue, pas tout le monde peut connaître ton identité. C'est la même chose sur Internet. Il y, y a une entité qui est capable de te contrôler, mais, mais là, du coup, si t'as plus d'anonymat sur Internet, tout le monde est capable de te retrouver. Et là, c'est là que ça devient dangereux. Je cherche, hein. je ne ah, dis oui. pas que ouais, c'est ouais, une ouais. solution. Mais ouais. Moi non plus, en plus le truc de l'identité unique, c'est vraiment un truc que je... Je me dis juste que la solution je que l'État a trouvé, c'est créer les lois et la prison, si tu veux, quand tu fais quelque chose de pas bien, et que... Euh, Qu'elle juge comme bah, n'étant pas bien. Qui, hein. parce, que... parce que par exemple, si tu reviens à un identifiant unique comme ça, donc les organisations pour de la désobéissance civile et ce genre de choses vont se retrouver euh, complexifiées. Quand tu veux remettre en cause un État dans lequel tu ne crois pas, bah, tu vas te retrouver... Euh, directement identifié, ça va être un petit peu compliqué de vouloir changer les choses. Si tu es contrôlé par ceux que tu veux combattre, ça devient compliqué. Après, il y aura toujours des réseaux sombres. Mais... Bah... <laughs> ouais. Sachez que la je toile, suis quand toile, même optimiste sombre. sur l'avenir. Je pense que la génération qui vient après nous, elle sera quand même un peu plus ouverte euh, sur ces sujets-là. Je ne sais pas si on oui, sera mais mais moins d'un monde apaisé, mais... Est-ce qu'elles euh... seront, est qu seront mieux... Euh... Euh, Préparer et éduquer à, à débattre la, Ça, c'est la, la vraie question que, que je me pose. Ça, je ne sais pas, mais elles seront... Plus, enfin, elle est déjà beaucoup plus euh, confrontée, ce n'est pas le bon mot. Exposée. Euh, Exposée, euh, exposer. exposer, merci. Euh, à la diversité, tu vois. Donc, forcément, ouais. plus tu es exposé à la ouais. diversité, normalement. Moins tu as des comportements euh, extrêmes. Le 18-25 de J'y vais ne va pas te. Après, des comptes, on a partout dans je toutes les causes. Hein. Euh... Il y aura ouais, toujours voilà, des raisons sans moi. Mais je pense en effet qu'on ne peut pas parler en termes général, mais je pense que chaque génération ouvre un tout petit peu plus le nombre de personnes qui, qui s'ouvrent et qu'on avance. Le problème, c'est qu'on avance très doucement et. Un petit peu désespérant à ce niveau-là, mais je pense oui qu'on a de plus en plus de gens qui sont amenés à. Il y a de plus en plus, par exemple, de productions euh, même grand public euh, au cinéma, des livres, euh, des séries, des animés, tout ce que tu peux imaginer, euh, jeux vidéo, qui vont ouvrir ce genre de, de conscience à tous les niveaux, hein, que ce soit en... au niveau euh, du handicap, euh, au niveau de, de, de toutes ces choses euh, dont on parle depuis le début, les plus, enfin... Je pense aussi que ça va aider à libérer, à libérer beaucoup de choses avec le temps, mais oui, enfin, avec les, avec les... la vitesse à laquelle on va, quoi. Avec les transports, avec les transports qui évoluent, t'as plus de brassage ethnique et tout, tout ce genre de choses. Oui, bien sûr. On, on en arrive au final à, à une à une terre, une terre na nationale, si je peux exprimer mon idée comme ça. Une seule nation, en fait. Citoyen du monde. Je pense que. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. On a bien... bien <laughs> on n'avait pas grand-chose à dire. Désolé. <laughs> C'est ça. Et euh... Bon, on peut passer au sujet sérieux. <laughs> on peut passer au sujet sérieux. Après cette bonne rigolade. <laughs> une... On va aller vers, vers un truc. Ben moi, en fait, j'aurais pas dû manger, j'aurais dû rester affamé pour, pour être... pour cultiver ma colère. Parce que, oui, il faut que... Enfin... Cette, est ma, ma chronique, c'est une chronique de la colère. Allez, et ta colère est légitime. Alors, un des trucs qui m'énerve le plus dans la vie, après l'hégémonie des Kinder Chocobon, arrêtez de te dire que les Shin Kinder Chocobon, c'est l'ultime bonbon Kinder, c'est dégueulasse. Profitez de l'arrivée de Pâques pour découvrir le plaisir céleste des Kinder Eggs, lait et Noisettes appelé anciennement les Kinder Softies ou des alternatives véganes ou les alternatives véganes s'il en existe. Est-ce qu'il existe un petit œuf au chocolat avec une gaufrette et à l'intérieur un mélange onctueux à la noisette Il existe <laughs> tout ce que tu peux imaginer en végan. Eh ben, si cette alternative végane existe, je, je, vous, je vous invite à aller aller la, la, la goûter. Ça vous ça vous fera en plus faire une bonne action. Euh, <coughs> Donc un truc qui m'énerve, ce sont les appareils miracles qui surfent sur l'inculture technologique ou scientifique pour vendre à prix d'or des trucs qui au mieux fonctionnent mais sont 50 fois trop chers ou au pire ne font rien. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé qui sont dangereux, mais euh, je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui sont, qui sont dangereux. Ça doit exister. Donc je vous propose de faire un petit tour de quelques-uns de ces produits parce que j'en avais gros sur la patate et il fallait que ça sorte. En numéro 1. Euh, la lampe en cristal de sel de l'Himalaya. On part sur un truc un peu low-tech. Euh, C'est une jolie lampe de style minéral brut, à euh, la douce lumière orangée. Et ses défenseurs vous promettent monts et merveilles. Donc voici un petit florilège. Elle permettrait de réduire les problèmes respiratoires, diminuer la fatigue, lutter contre les méfaits de la pollution électromagnétique, minimiser les effets de toute radiation, pollution et fumée dans l'air. Augmenter la vitesse et la qualité de la cicatrisation en cas de brûlure, de coupure ou de chirurgie, euh, améliorer l'absorption et l'utilisation de l'oxygène dans le corps, enlever et détruire les bactéries et les virus dans l'air, elle pourrait même se substituer à des tranquillisants, car euh, grâce en, en, en parallèle de son augmentation de la vitesse de cicatrisation, elle réduirait la douleur. Retour Donc, de lettre et tout ça aussi. Voilà. Ça. ça ressemble <laughs> beaucoup au petit papier qu'on trouve dans les boîtes aux lettres. Et je pense que là, on a trouvé la solution à la crise sanitaire, euh, le remède contre la, déception géné la <laughs> dépression générale causée par le confinement et le couvre-feu et le geste barrière. Que demande le peuple Et j'ai ouais, vu, mais... vu en me perdant sur YouTube que au final, c'était du sel euh, juste coloré, mais c'est du sel comme, euh, comme <laughs> le sel de, non, de, nous de la baleine. Alors, en fait, oui, c est, c est, ben, la, le, la composition principale, c'est du sel euh, NaCl, donc du sodium et du chlore, sous forme cristalline. Euh, la couleur est due à des, à des, à des impuretés, euh, des, mmh, des métaux ça, ou ouais. d'autres produits. Alors, c'est une belle arnaque. Mais pourquoi est-ce une, est une arnaque eh ben, Dans un premier temps, il y a le prix, qui est entre 20 et 100 euros pour, un, pour des lampes de poids variant de 1 à 10 kg. Euh, mais on trouve des tarifs jusqu'à 500 euros pour des modèles, des modèles qui disent euh, être entre, de faire 30 kg, voire 80 kg, sans aucune photo de mise en situation. La seule photo du produit est juste la pierre ou la pierre sur un socle. Il euh, n'y a rien au fond. Et parfois, on peut apercevoir un bout de câble, mais si le câble est à l'échelle de la pierre de 80 kg, euh, le câble, c'est un câble triphasé euh, euh, de, de 5 cm de diamètre. Quoi. Deuxièmement, il y a de grandes chances que la pierre de sel de l'Himalaya, en fait, elle a été minée en Europe de l'Est euh, dans une mine de sel, puisque ça existe, euh, en Pologne par exemple. Et enfin, euh, troisième euh, raison que pour laquelle c'est une arnaque, ben, tous ces effets bénéfiques, euh, si vous y croyez malgré l'accumulation euh, improbable, ben, ces effets bénéfiques, l'explication principale qui revient... C'est euh, une explication pseudo-scientifique comme quoi la lampe sous la chaleur de l'ampoule, le, de le sel dégagerait des ions négatifs qui viendraient neutraliser les ions positifs. Et les ions positifs, ben, c'est le mal parce que ça provoque de l'oxydation dans les poumons, ça provoque des irritations, etc. Ça fait des mal de tête, euh, j'en passe à des meilleurs. Mais je rentrerai pas dans les détails parce qu'en fait ces lampes ne produisent pas d'ions négatifs. Le sel n'a pas la bonne structure cristalline pour le faire. Le point de base étant que aussi que le sel de l'Himalaya ne pas, pas réellement les bénéfices qu'on qu lui, euh, qu lui accorde. Un cristal serait de, capable de dégager des huiles de euh, au... en, en dégage. Donc imaginez aujourd'hui, les ampoules à incandescence n'existent plus qu'une lampe à sel. En fait, c'est juste un mmh. objet de décoration qui peut nous apaiser parce qu'on le trouve joli. Hashtag Je, vous inv... <laughs> Je vous invite à aller plus loin avec la vidéo bien détaillée de la chaîne Veritasium. Euh, qui a fait un, tout un, toute une vidéo oui, sur mais est est que ça marche et il est allé voir des scientifiques qui ont fait des mesures. Il est beau, aussi. il est rose, le sel <laughs> qu'on lui attribue. Lors de, lors de mes recherches, euh, j'ai re, trouvé <laughs> beaucoup de gens qui disaient le sel de l'Himalaya, non seulement il n'a pas non plus de bénéfices particuliers par rapport au sel de mer, euh, mais en plus il a des, des choses en moins puisqu'il n'y a, a pas de diode. Euh, et il y a des impuretés, des métaux parfois, qui en trop grande quantité, ben, ça peut être dangereux parce que notamment, il peut y avoir des métaux lourds dedans. Et les métaux lourds, le. C'est incroyable. beau. As-tu un lien affilié? <laughs> Après un bon ah, sel de Guérande euh... coloré, ça marche. Une enquête de enfin, l'Institut bon de BD. Avec un... Ah non. <laughs> un peu de couleur, c'est parfait. <laughs> Deuxième objet. Euh, là, je vais m'adresser. Euh, mes amis propriétaires d'un véhicule qu'il soit haut de gamme ou pas si je vous disais que pour seulement 20 euros vous pouvez gagner jusqu'à 35% de chevaux sur votre véhicule tout en réduisant sa consommation pour combien tu as dit mais quel est ce pour miracle là, ou... <laughs> pour seulement 20 euros voilà c'est la magie des boîtiers <laughs> c'est la magie <laughs> des boîtiers o o ODB ou OBD, je ne sais plus ODB c'est pas OCD, c'est bon. Voilà. <laughs> euh, alors, ces boîtiers, le, le nom de ODB, c'est le nom de la prise dans laquelle il se branche sur la voiture. Euh, je ne sais plus quel est l'acronyme, j'ai oublié de le noter. Si quelqu'un peut rapé. le faire très vite en ouais. même temps que je parle. Donc, ces boîtiers prétendent reprogrammer votre moteur pour euh, pas cher. Et. Euh, ils sont nombreux, il ouais, y en a plein. Ils s'appellent Nitro ODB2, Echo ODB2, Powerbox 3. Et tous leurs cousins, ils sont censés faire sans effort pour une vingtaine d'euros, jusqu'à 130 euros pour les plus chers comme le Powerbox 3. Powerbox 3 qui a été euh, d'ailleurs vanté par pas mal d'influenceurs euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, ouais, c'est euh, la version des... 3 aussi. <laughs> Et qui euh, sont censés faire ça pour pas cher. Alors OBD, c'est euh... on-board diagnostic. Voilà. voilà. OBD. Ah, au BD. Au BD. J'ai mal tapé. Euh, bref, et en, en gros, pour seulement jusqu'à 130 euros max, euh, ce qu'un qu garagiste facture au minimum 400 euros jusqu'à 2500 euros selon votre voiture. Donc, si vous êtes Julien et que vous voulez améliorer votre voiture, ben, ça vous coûtera cher. Si vous êtes moi, ça ne vous, vous coûtera pas cher. Parce non, que ouais, moi, j'ai une voiture de merde. la ouais, voiture a déjà bientôt, bientôt est bon. Mais en réalité. À part pomper un peu de courant à votre batterie pour faire clignoter les LED et chauffer le microcontrôleur, le boîtier il ne fait absolument rien. Euh, la chaîne Deus Ex silicium a analysé quelques boîtiers, les a ouverts, et il euh, ben, s'est rendu compte que il euh, n'y a aucune communication qui part dans les, euh, dans les petites fiches qui sont censées communiquer avec euh, l'ordinateur de bord de la voiture. Donc euh, voilà, c'est une belle arnaque. C'est déprimant. Oh, mais 20 euros seulement. Mais 20 euros seulement. Pour 20 euros, vous aurez un joli petit boîtier <laughs> qui clignote. Euh, bon chef, pour votre voiture. Ce qui compte, c'est que c'est la sensation de vitesse. Bah oui, il y a marqué <laughs> <l> Nitro <laughs> dessus. Et surtout, surtout là, ce qui est bien, c'est que dans le mode d'emploi, ça dit euh, Veuillez attendre 200 km, roulez euh, pendant 200 km pour que le boîtier apprenne et, ca et se calibre sur votre voiture. <laughs> Donc le ouais, temps que tu roules tes 200 km après avoir dépensé tes 20 balles, t'as complètement oublié que t'avais acheté le truc. <laughs> Et le droit de rétractation est passé. Et voilà. À moins de, à moins de rouler 200 bornes en, en, en une journée. Euh, euh. Troisième objet, euh, là c'est un petit peu mon chouchou, c'est <laughs> les filtres anti-Linky. C'est un sujet qui est bien cynique parce que euh, on retrouve plein de sites qui alimentent le complotisme. Et qui, à la fin, te disent Mais vous pouvez vous protéger du compteur Linky euh, pour la modique somme de. Ça dépend, ça varie, ça va de 200 à 600 euros. Et un petit chapeau et, euh... sur la tête. <laughs> et en fait, ils, ils vendent un, un produit euh, qui est un filtre passe-bas, qui va donc couper les hautes fréquences du courant CPL pour ne laisser passer que euh, la sinusoïde 50 Hz du courant euh, habituel. Mais ça, c'est des composants euh, qui existent déjà. Euh, nos amis audiophiles, qui euh, aiment bien écouter euh, du son bien pur, dé, dénué de tout parasite sur leurs enceintes hors de prix, euh, ont déjà ce genre de filtre. Ça se trouve dans les magasins de, de son. Euh, ça coûte entre 15 et 120 euros selon la marque et les caractéristiques du filtre. Donc euh, n'achetez pas de 200 euh, voire, ou 600 balles un truc que vous pouvez trouver pour pas cher ailleurs. J'en profite au passage pour vous rappeler que le CPL du compteur Linky... Euh, ne sert qu'à transmettre la consommation relevée et l'état de fonctionnement du ouais. compteur à un relais qui est situé dans le quartier -le. pendant seulement quelques secondes <laughs> euh, tout au plus et à une fréquence de, euh, une, de une fréquence d'une de, de, heure ou une fois par jour, ça dépend en fait euh, si dans votre quartier il y a des, des éléments qui produisent des, des parasites à heure régulière comme par exemple euh, des cabinets de radiologie. Euh... <coughs> Donc non, le, Li le LinkedIn n'envoie pas des commandes d'autodestruction à votre frigo. Il ne va pas demander à votre télé d'espionner vos conversations pour prévenir EDF. Ouais, mais pas si le frigo est tombé en panne juste au moment d'un 1000 compteur <laughs> c'est louche quand même. C'est peut-être juste une coïncidence. Par contre, c'est trois enceintes Google Home que tu as chez toi, peut-être. Mais c'est une autre histoire. <laughs> Et enfin, ben le CPL, donc le courant porteur en ligne, c'est un signal électromagnétique, donc il circule dans le câble. Et ok, il peut s'en échapper car tout, euh, tout signal électromagnétique qui se, qui se balade dans un câble va s'en échapper à moins que le câble soit blindé. Mais sa puissance n'est pas prévue pour qu'il soit transmis autrement que par le câble. Donc, les ondes qui pourraient s'échapper du câble euh, n'ont vraiment pas la puissance de se propager très très loin dans l'air. À 50 cm euh, du compteur euh, lui-même, euh, les émissions sont 36 fois moins qu'une ampoule à basse consommation, 5 fois moins qu'un ordinateur. Donc, euh, quand on est au niveau du câble qui passe dans les murs de chez vous, euh, l'émission est vraiment ridicule et il y a vraiment rien, rien à dire. Donc en plus, ce rayonnement n'est pas ionisant, c'est-à-dire qu'il n'altère pas votre ADN. Contrairement au rayon du soleil, ou euh, la machine qui a permis de faire une radio de votre cheville quand vous vous êtes euh, foulé euh, en essayant de prendre le shuffle sur TikTok. Et puis pour peu que tu aies déjà la lampe de celle de l'Himalaya, t'es bien. Ah bah, t'es <laughs> protégé. D'ailleurs... Euh, C'est marrant parce que du coup, les lampes de l'Himalaya, on, on, on en veut parce qu'elles on, on qu produisent des ions. Mais après, on ne veut pas du compteur Linky parce qu'il ferait des, des ondes. En enfin, bref. Il ouais, ouais, faut que les deux s'annulent. Ouais. Et enfin, le top du top, celle qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, avec euh, coïncidence la Covid. Si vous avez peur de la 5G, qui donne la Covid et contrôle votre cerveau, pour la modique somme de 309 euros en version standard, ou de 365 euros en version rose gold, et tout le monde sait depuis <laughs> l'iPhone 5 que le rose gold c'est la meilleure version, vous serez protégé par un bouclier à couche nano-quantique, quantum euh, nano-layer. Wow. Et qui formera une bulle de 8 mètres de diamètre autour de vous, et qui fournit, je cite, un équilibre instantané dans toutes sortes <laughs> de rayonnements déséquilibrés, y compris la 5G. Donc ça protège pas seulement de la 5G, ça protège de tous les rayonnements. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que ceci, c'est que uniquement avec la clé dans la main ou dans la poche. Ah même pas branché. Si vous la branchez dans votre ordinateur, paf, la protection s'étend à 40 mètres autour de vous. Ça englobe votre maison, votre jardin, une partie du voisinage. Et j'ai même eu une idée de source de revenus si vous habitez en appartement. Ben, vous branchez votre clé et vous proposez à tous vos voisins, qui sont englobés dans votre bulle de protection de 40 mètres, de vous payer un petit pécule pour vous remercier de les protéger gratuitement. Mais John, comment est-ce possible Comment ça marche Eh bien, d'après le site, la couche Quantum Nano est imprimée à l'aide d'une méthode exclusive utilisant l'intention consciente de l'inventeur. Ah, Mais putain <laughs> J'ose espérer qu'à ce prix-là, le type qui nous les vend, il passe bien quelques heures en serrant fort chaque clé contre son front pour y projeter son désir d'argent facile. Il est fort, le désir. <laughs> Alors, blague à part, ces euh, clés. Parce que oui, il en existe plusieurs autres modèles, mais là je vous en ai parlé que d'une seule, la 5G BioShield. Euh, ce sont la plupart du temps des simples clés de stockage USB, obsolètes en plus, parce qu'elles <laughs> ont que 128 mégasoctets d'espace disque. <laughs> Wouhou C'est euh, la dit, folie. Le... <laughs> C'est ça. Les années... Euh, je crois même... Enfin, j'allais dire... Euh, alors, je ne sais pas si tu as signalé je demande à ce qu'on lui rende USB, mais Je ne sais, sais pas si tu as signalé l'arnaque, mais si le site ne fonctionne on pas. Est... Ça c pas plus gros. Le site est euh, quand ce sont pas carrément le... juste euh, de... une prise USB type A collée à un joli cristal. Je viens d'y aller. Oui, mais avec, avec une intention signaler... de, <rire> 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 ah, vrai. Ça avec, fait... avec l'intention de protéger <laughs> des rayonnements de la cellule. Ah, mon dieu. <laughs> Alors, on vous mettra les liens vers l'arnaque et la démystification dans les notes, mais euh, le, sur le site de BioShield, il y a une vidéo à regarder. J'ai pas tenu longtemps. J'ai un peu, un peu tout le long de la vidéo. C'est... Ah. 5G BioShield T'as essayé d'y aller oh, Ouais. <laughs> ah bah ben, merde J'y étais, a... étais encore il y a quelques minutes. Et Il voilà, ils sont réduits au silence, et on est trois dessus de cité d'AO. C'est d'intention On peut plus <laughs> rien dire. En conclusion, s'il vous plaît, n'achetez pas ces trucs. Sauf peut-être la lampe, si elle vous plaît, et que vous en trouvez une pas trop chère et dont la véritable provenance est annoncée. Et si vous voulez vraiment installer un filtre CPL entre votre circuit électrique et le compteur Linky, faites-le pour une vraie bonne raison. Euh, comme par exemple, si vous utilisez des plugs CPL pour ne pas avoir le... Et, enfin, si vous utilisez des plugs CPL pour ne pas avoir de Wi-Fi, parce que vous êtes contre le Wi-Fi, et on dit le Wi-Fi d'ailleurs, pas la Wi-Fi. Euh, et donc, vous voulez éviter que le réseau de vos plugs CPL fuite chez votre voisin. Là, un filtre, ça peut se, se justifier. Mais euh, sinon, il euh, n'y a pas vraiment d'autre justification, à part peut-être mettre un filtre, mais juste euh, au niveau de la prise de courant pour brancher votre euh, chaîne Wi-Fi. Mais c'est tout. Voilà. Je n'ai pas de conclusion, à moins que vous, vous ayez un petit gadget euh, que je n'ai pas cité et, que vous voudriez, et dont vous voudriez parler. Non, je ne savais pas qu'on faisait un épisode euh, bah, sur non. la bêtise humaine, mais ça fait plaisir. <rire> 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 non, mais dans le même genre que les trucs anti-monde, il y avait les pastilles à coller sur ton téléphone qui coûtent 30 balles aussi, et c'est juste un vieux bout de... Mais oui, c'est euh, vrai. Et il euh, y avait beaucoup la marque Phase Up. Et en fait, euh, c'est pareil, le, le, le rayonnement auquel tu es exposé en, en passant un coup de téléphone est tellement minime que, que ça sert à rien. Et, et si ton téléphone est à 20, 30, 40 cm de toi, bah, ça suffit à, à te protéger. Quoi. Donc, évidemment que si tu l'as toute la journée près de ton slip, il eh ben, y a des risques. Mais ce <laughs> n'est pas ce petit patch qui va t'en protéger à vie. Quoi. Alors j'ai peut-être un. Vas-y, euh, moi j'en ai un qui m'est revenu là alors euh, Je me suis perdu sur YouTube. Je me perds souvent sur YouTube, je trouve. Euh, je regardais des vidéos, vous savez, où il y a marqué euh, 28 objets complètement amazing, euh, unbelievable, euh, que vous trouvez sur AliExpress. Et il y avait une. Ouais, sur Wish, euh, ouais, Wish euh, c'est pareil. Il euh, y avait une lampe euh, à UV pour... Euh, hum, Sanitizer, euh, sanitizer Désinfecté, désinfecter merci euh, le téléphone la cuvette des chiottes et tout ça et c'était un truc euh, portable et je me disais est-ce que c'est suffisamment puissant pour faire vraiment ce que c'est censé faire ah bah déjà, ou est-ce si que c'est en fait est juste une lampe euh... avec la même brosse que les chiottes, euh... <laughs> ouais non mais ou est-ce que ah c'est est juste une... une lampe noire euh, si tu veux euh, pour faire euh, pour faire genre Alors la lampe UV, je sais que c'est un truc de désinfection qui est pas mal utilisé, euh, notamment par les coiffeurs ou par euh, d'autres euh, euh, professions ouais, qui. Euh... Les supermarchés pour les caddies en ce moment l'utilisent. Donc à base puissance, ça reste fonctionnel. Enfin je veux dire le en truc t'es bleu. Ray... Oui non mais le, le rayonnement <coughs> UV en fait après il suffit juste de le laisser suffisamment longtemps pour euh, qu'il dégrade l'ADN des, des bactéries ou des virus. Enfin donc euh, c'est peut-être pas forcément simplement une question de puissance, c'est une question de, de durée aussi D'accord bah, Je vous mettrai le lien des lampes qui servent à ça Ok, on vous mettra le, euh, le lien dans, dans la description Philips, du podcast en... enfin, 5G biochill <laughs> <Ouais. rire> Moi ça m'a fait penser aussi au bracelet d'équilibre qui était en vogue il y a 4-5 ans je sais pas si vous avez déjà entendu parler ça, mm. ça vous dit rien Oui, 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 oui je me rappelle 7, euh, si ça me dit quelque chose les, les, les bracelets qui sont censés. Euh, euh, comment des dire chakras. vous Vous euh... aider à, à mieux dormir, euh, ne plus vous blesser. a ah, oui, des trucs de magnétisme et Exactement. tout ça. Exactement. Et euh, ça m'a fait penser aussi fait un. Hein. Ouais, moi, ça m'a fait penser à un petit domaine d'activité qui s'appelle l'homéo. Euh, pardon, l'homéo. <laughs> power Balance, c'était ça le nom. Ah, Power Balance, où oui, le nom me rappelle quelque chose. Huh. Ah bah, ma mère a fait des réunions de. De, de, de genre superware mais avec ces trucs magnétiques. Donc, euh, ici on boit de l'eau avec euh, une tige dans la bouteille. Et... Okay. D'ailleurs, euh, que ça fait, Power hein. Balance, c'était pas un truc magnétique, hein, c'était juste un hologramme sur le bracelet. Je il sais pas. Je Honnêtement, j'en ai pas acheté, faut pas déconner. <laughs> c'était juste un joli dessin. Je, 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 mais je sais pas, ouais, il y avait un truc effectivement, euh, une, pi une pièce ronde. Donc voilà, je voulais juste ouais, avec vous euh... en fait t'as fait l'anti-chronique de Audrey l'anti-fact euh, starter quoi <laughs> tout ce qu'il ne faut pas acheter <laughs> et soutenir t'inquiète que je vais scruter tout ce qu'elle va nous proposer hein. <laughs> arnaque mais ouais voilà c'est en fait ce que je trouve euh, moi ce que je trouve euh, vraiment enfin euh, c'est le pire de, de... c'est un des pires trucs de l'esprit enfin de de la nature humaine c'est de capitaliser sur euh, l'ignorance et la crédulité des gens mais ça fait vraiment partie des trucs euh, avec l'autre podcast dont je fais partie des carencés on avait un stand à la Veggie World et on a arrêté d'aller là-bas le jour où on s'est rendu compte qu'on avait un stand à côté d'une autre où ils faisaient une euh, photographie de ton aura avec un appareil photo spécial pour réussir à détecter ton aura et à partir de là ils pouvaient te vendre les pierres qui correspondaient pour stabiliser un petit peu ton aura, etc. Il y avait ça je ne me rappelle pas Oui, il y avait ça. Pas l'année où on s'était rencontrés, justement, à okay. la Veggie World, l'année juste avant. Mais c'était... Qu'est-ce que c'est que ça Qu -ce... Toi, tu es en train d'essayer de faire promouvoir des choses importantes. Et... Après, si la personne des... qui, qui, a... a... qui... qui prend la photo a une très grosse intention, peut-être tu... <laughs> ça ouais, marcher. Ça va rester. Très, très, la grosse très grosse intention. Grosse intention. <rire> <rire> tu la vois, ma grosse intention. Quoi. Oh Après... Voilà. Après, pour euh, tous ces trucs-là, il y a un truc que si c'était pas, si pas cher, si c'était pas une volonté de, de voler l'argent des gens, mais juste de, de, de fins. par exemple euh, le, le bracelet Power Machin là, euh, ou mais c'est le principe du les... truc Emmerich, c'est pas où cher, où les gens y croient pas. Si tu vends ton truc 10 balles, les gens pensent que c'est <coughs> de la camelotte Si tu le vends 50 balles, ils vont se dire à ce prix-là quand même, c'est obligé ça marche. Ouais. Bon, ceci dit, ça fait quand même quelques milliers d'années euh, qu'on vend euh, des choses toutes les semaines euh, aux mêmes personnes en les réunissant dans des grands lieux où on, on leur raconte des belles histoires pour, le, pour leur soutirer de l'argent. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. On n'a pas attendu Internet et les inventions. Ouais. Oui, Par oui, c'est ce oui, sûr. Chose. Chose. Non, mais là où le truc, le truc qui, me, me dire qui, me, pas qui me rend en colère, parce que je suis pas non plus vraiment en colère. Bon, Sauf quand mais, on parle de Linky, hein. Je sais que c'est un petit. Oui. <laughs> <laughs> ouais parce que non mais ouais, j'ai eu quelques échanges avec euh, des, des gens qui m'ont demandé d'ouvrir les yeux et de, et de me renseigner <laughs> non en fait moi c est, c est que, est là, là, ce qui m'irrite en fait c'est que le, on pourrait s'attendre dans, dans, euh, dans aujourd'hui à une ère où, une, une où l'information est disponible en quelques clics euh, où, euh, où on est censé quand même avoir quelques bases qui viennent de l'école j'ai l'impression que les, beaucoup de gens oublient très vite ce qu'ils ont appris à l'école, ou alors ils n'ont jamais écouté. Et, et surtout, euh, enfin, je trouve ça un peu, un peu dommage qu'on se retrouve encore avec, sur pas mal de choses, euh, des, de la désinformation aussi efficace. Euh, notamment bah, sur, sur le coup des, des clés USB, là, où. Euh, où ou du filtre, ou toute la polémique sur, sur Linky qui donnait le cancer. Mmh. Bah, c'est des trucs, mais... trucs fondamentaux de la physique qu'on apprend. Euh... Oui, oui, mais après, c'est enfin, encore le truc. C'est plus facile de dire beaucoup de conneries sur un truc que de prouver que, que, ça, va, que ça marche. Et d'être physicien, nutritionniste, oui. euh, biologiste, euh, etc., etc. Et oui. Mais. Euh... Ouais. Sinon, je traîne pas trop sur les sites de, de shopping et tout ça et de vente mais, mais du coup c'est enfin c'est vraiment des objets qui sont mis en avant sur des sites de vente ou dont on fait la pub ou euh... ah, t'as ça, ça sur ton là. fil Facebook, sur ton fil Instagram, <laughs> sur Instagram sur, euh... ouais. Les trucs Wish euh... <laughs> C'est des trucs qui viennent souvent ouais, en, en pub sponsor. Après tu les tu peux les trouver mais il faut vraiment être ciblé sur Amazon par exemple. Ils existent, hein, ils sont en vente. Mais euh, faut, faut, pour qu'il te soit suggéré, il faut que, faut que tu sois ciblé euh, sur ce genre de trucs. Ouais, c'est ça. Okay. Mais euh, sinon, oui, c'est des trucs que tu peux voir passer euh, en pub Facebook, Instagram. Euh. Alors, par contre. Oui, du coup, à, à partir du moment où tu en achètes un ou deux, tu vas être d'autant plus ciblé par ces merdes. Oh, t'as même euh, pas ce besoin ce de l'acheter. hein. Non, non, ouais, parce que. Je euh... oui, consulter. Vous le savez tous, vos téléphones vous écoutent. Du coup, si demain, Karen, sur ton téléphone, dans ton fil Facebook ou Insta, t'as. Ah ben ça euh... ah banks, là, je suis désolé. Hein. T'as vous... la super je lampe de l'Himalaya qui arrive. T'étonnes pas. Je hein. auprès de vous, auprès de nous, <laughs> mais euh, désolé, mais à partir de demain, une pub Insta sur deux, ça va être la clé 5G, le filtre Linky. Euh, si vous n'avez pas de voiture, vous, vous allez peut-être échapper. Vous n'êtes peut-être pas ciblé euh, comme pour le boîtier OBD, mais euh, vous aurez au moins euh, ouais, la lampe en cristal, euh, cristal de sel. Enfin, en plus, j'ai cliqué filtres. dessus, donc clairement. Et donc, même ah, bah là, si les fou téléphones ne nous écoutent pas, on est dans un Google Drive où les mots sont écrits, donc on est cuit. Ouais. Voilà. Ouais, vous, Merci, Emery. En pub, en pub dans Gmail. <laughs> mais il touche une com dessus, c'est pour ça. Ah oui, pardon, ouais, je voulais <laughs> dire, j'ai mis que des liens affiliés dans le... <rire> <rire> ah le bah malin. Non. non mais euh, ouais, et enfin, l'autre... Eh, 6% de 600 euros... Euh... L'autre euh, euh, pendant de euros. ça, c'est tout ce qui est lié au dropshipping. On a déjà fait une chronique sur le dropshipping ou pas Malheureusement, non. Ah là là, il faudrait faire une chronique éco sur le dropshipping. La minute éco, cool, hein. génial. Aka, ah, la fille de puterie. <laughs> Tout le tout dropshipping n'est pas le mal. C'est ça. Ouais. <laughs> ouais On va pas diaboliser des gens qui font du dropshipping en, en disant que, clairement, sur leur site, nous nous faisons du dropshipping. Certes. Mais après, si tu dis mais exclusivement aujourd'hui... on les salue. <laughs> ils sont deux. Mais exclusivement aujourd'hui, nous faisons une promo à moins 70% pour cette montre suisse fabriquée en Chine. Là, bon... On va peut-être taper dur avec le bateau. Seule, seulement 56 euros au lieu de 392. Ah c'est un enfer. C'est prix tellement spécifique. Non, mais c'est un enfer. Mais c'est tout un... On va dériver, mais c'est tout un écosystème qui est, qui est ouf entre les escrocs qui montent les sites, les influenceurs et les influenceuses qui acceptent de faire des pubs sans aucune race et tous les réseaux sociaux qui arrivent à cibler les plus simples d'esprit pour qu'ils y croient. Franchement, c'est un trio, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible euh, ce truc. Arrête de spoiler la chronique. Et pour seulement 99 euros, <laughs> au lieu de 1599 euros, je peux vous apprendre à le faire grâce à mon tutoriel vidéo en 10 vidéos, dont la première est gratuite. Je vous invite à aller sur mon site. Est-ce que moi de faire un dropship d'ailleurs des... Des... des dons à Patreon euh... C'est vrai, il est peut-être le temps de conclure. Nous, il n'y a jamais de solde. Nous, c'est plein pot. <laughs> c'est plein pot tout le temps. En vous rappelant que L'école des facs est un podcast du label Podcut. Retrouvez tous les podcasts du label sur notre site podcut.studio. Il y en a à peu près 23, 24. 24. Les gens du. Ah, 23 et nous. 23 et nous. Ben, nous, sommes, nous sommes 24. Nous sommes Légion. Et que si vous voulez euh, nous soutenir en donnant euh, euh, l'équivalent d'un petit café par mois. Puisque vous voulez plus, même, j'ai envie de dire. Oui, puisque vous voulez nous soutenir plutôt que d'acheter des trucs en dropshipping. Je vous ai fait économiser de l'argent. Grave. Soutenez-nous. Tout cet argent que vous auriez mis dans votre clé 5G, là, anti-5G, venez le donner à podcast sur le Patreon, patreon.com slash podcast. Ah, pas, pas mieux. Plus, hein, pas, euh, mieux. Quoi, pas mieux. Voilà. Euh, euh, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous remercier. Vous dire au revoir. Au revoir, urbain, Au revoir. Au revoir, Karen. Au revoir. Au revoir, Kepra. Salut. Au revoir, Simon. Au revoir, revoir Suzy. La bonne soirée. Et au revoir, les auditorices. Ciao, ciao, tout le monde. Up.